Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ça sera mes derniers achats effectués avec pas mal d'internet, un petit peu de cash et un jeu neuf que beaucoup de monde parle en ce moment, que je vous garde pour la fin. Donc voilà, on va commencer avec une petite offre Steelbook Disney par la Fnac. Merci à Tueur de Rôdeur. Pour une de ces dernières vidéos qui m'a permis de voir ce bon plan. Donc c'était les 4 Blu-ray pour 60 euros je crois. Ça faisait du moins 50. Ouais, ça doit être ça, au lieu de 120. Donc voilà, j'ai craqué. Des petits steelbook édition Fnac, donc qui sont différents des avis par exemple, et qui sont sortis il n'y a pas longtemps. Je pense 3-4 mois, quelque chose comme ça. On va commencer tout de suite avec le premier, qui sera là-haut. Alors, très sympa. Donc voilà, c'est un Blu-ray DVD plus bonus, hein, c'est classique. Très sympa avec l'effet un peu glossy comme ça, très très joli. Là-haut, excellent film. Je l'ai déjà en amarré normal, mais j'aime tellement le film que je me suis dit, il me faut le steelbook. C'est vraiment une pièce qui me plaît très fortement. Deuxième excellent aussi Pixar, c'est le Ratatouille avec aussi cet effet glossy sur les couteaux. Je sais pas si vous allez bien voir. Ah, très sympa. Niveau finition, ils sont moins bons que les avis où il y a du débossage, l'embossage, pardon. Et là, ils sont un petit peu moins bien finis, mais bon, c'est quand même de la belle qualité. Titre sur la tranche, pas numéroté pour ceux que ça intéresse, mais très sympa. Excellent film aussi, Ratatouille. Le Wall-E. Alors celui-là, Wall-E, je l'avais vu il y a des années, j'avais pas trop aimé, je l'ai revu récemment, il y a peut-être un an, je l'ai trouvé vraiment sympa en fait. Donc comme quoi, hein, faut laisser plusieurs chances à un film, et ça va aussi pour les Pixar et les Disney. Donc voilà, je l'ai pris très sympa, et puis ça sera l'occasion de me le refaire. J'en garde vraiment un bon souvenir de mon dernier visionnage. Et le dernier, c'est les 101 Dalmatiens, qui est aussi assez sympa. Très longtemps que je ne l'ai pas vu celui-là, je me suis dit, pourquoi pas. Et puis voilà, très très beau steelbook. C'est quand même de la qualité, c'était vendu 30 euros pièce à la base. Je ne sais pas si c'est encore le bon plan, je crois que ça finissait le 31 octobre. Mais bon, voilà, très sympa. On enchaîne avec deux petits jeux PS5 que j'ai trouvé dans un cache pour 2 balles pièce. Donc là, c'est une compile Infogrames avec Les Fous du Volant et le Bugs Bunny et Taz, La Spirale du Temps. Donc, comme vous pouvez voir, c'est jaquette blanche. Moi, je ne les connaissais pas trop, ces compilations Infogrames. Là, je l'ai pris parce que bon, ça fait très longtemps que je ne peux pas rentrer du PS1. Je me suis dit pourquoi pas. Donc, Les Fous du Volant, c'est un petit jeu de course que je connais pas vraiment. Je vois qu'il y a 40 circuits, plus de 20 gadgets, 6 voitures diaboliques qui sont en course. Enfin, voilà, ça a l'air assez sympa. Pas trop moche. Contrairement à l'autre qui a l'air d'avoir plus vieilli quand même, avec le Bugs Bunny et Taz. Je ne sais pas si vous allez voir, je trouve que ça a un peu plus vieilli. J'y ai pas encore joué, mais bon, c'est du platformer assez classique, je pense, qui doit pas être si mal que ça. Donc voilà, seul petit truc, bon, voilà. Ça, c'est en bon état les CD, aucun problème. Par contre, pas de notice pour aucun des deux jeux. Dommage, 2 balles après. Hein. C'était un très bon prix. Je me suis dit pourquoi ne pas le prendre. Ça rentre dans la collection. Un autre petit jeu PS1 aussi pour 2 balles. C'est le Star Wars épisode 1 Jedi Power Battle. Je ne connais pas celui-là. Je sais pas s'ils reprennent vraiment la trame de l'épisode 1 des Star Wars ou pas. Ça aussi, ça a l'air d'avoir assez mal vieilli. Mais bon, ce sera l'occasion de tester. Moi, j'avais bien aimé le Star Wars épisode 2, épisode 3 sur la PS2 que j'avais fait à l'époque. C'était vraiment très sympa. Celui-là était complet. Nickel, aucun problème. 2 balles. Hein. Voilà. On se fait plaisir, on prend. Ensuite, un petit jeu DS que j'ai trouvé pour 6 euros dans un cache, très content de le trouver aussi. C'est un Pokémon, c'est la version or, Heart Gold. Très content de l'avoir trouvé.
J'essaie de me récupérer au fur et à mesure tous les épisodes DS, tout ça. J'avais beaucoup aimé sur la Game Boy le or, très sympa. Donc je me suis dit, bah allez, c'est l'occasion. Petite jaquette un peu brillante, très mignonne. C'est une version française, nickel. Je sais qu'il y a les grosses box avec le Pokéwalker. C'est pas quelque chose qui m'intéresse spécialement. Si à l'occasion je peux le trouver, voilà, mais c'est pas une priorité pour moi. Voilà, complet, nickel. Comme je vous dis, ça c'est très bon prix. Très bon prix pour des jeux vraiment excellents. On enchaîne avec des petites promos Micromania sur PS4 avec un petit jeu qui est le Red World War 2 qui est une exclusivité Micromania pour ceux qui sont pas au courant et qui est bradé à 99 centimes neuf. Vous pouvez voir. Tout neuf. Donc fait par 505 Games. Par les créateurs de Payday, c'est bien mis en évidence. J'avais bien aimé Payday 2, donc voilà, 1 euro, Payday 2, je me suis dit pourquoi pas. C'est un petit jeu coop, assez bien foutu, je pense, qu'il faut pas non plus un Payday, mais assez sympa. Voilà, je l'ai pris pour le prix, tout simplement. 1 euro, j'ai envie de vous dire, mais voilà, pourquoi s'embêter? Ben, on le prend et on testera ça à l'occasion. Donc voilà, le vendeur Micromania m'a dit que c'était pas un truc fou, mais que c'était très sympa pour le prix. Ce sera l'occasion de me faire une petite idée dessus. Un autre jeu en promo Micromania, c'est le Extinction, que je n'ai pas payé 40 euros évidemment. Je l'ai payé 5 euros. Je pense qu'il doit en rester encore, même les raids, hein, je pense qu'il doit en rester encore. 5 euros, voilà, qui est un mélange de Beat'em All et de l'attaque des titans, avec des espèces de gros monstres qu'on peut enlever les membres, décapiter. Voilà, c'est moins beau qu'un attaque des titans, peut-être moins bien fini, mais je pense que ça doit être très sympa. Ça sera l'occasion de me le faire. Déjà graphiquement, c'est un petit peu moins beau, ça fait un peu plus cartoon, cel shading un peu. Enfin, c'est un autre genre, on va dire. Mais 5 balles, c'est pareil quoi. On prend et on testera ça. Un autre petit jeu, là c'était promo Auchan. Non, c'est jusqu'au 5 décembre, si je dis pas de bêtises. C'est le Marvel versus Capcom Infinite, qui était à 7,99 je crois. Dans tous les Auchan, c'est une offre nationale. Il était soldé au mois de juin à 10 euros, je crois, dans les carrefours. Je me suis dit, je le prends pas. J'étais sur Injustice à l'époque. Et je me suis dit, bah, je le prendrai plus tard. Donc là, j'ai fini Injustice. Un petit jeu de combat, pourquoi pas. Je l'ai pris parce que, ben, je me dis, il a tellement été descendu. Est-ce que c'est vraiment mérité? Je me pose la question. Il y a aussi le fait qu'il y a Rocket. Donc là, je suis vraiment très content. C'est vraiment un des persos que je kiffe le plus dans Marvel. Donc voilà, à voir. Je sais que le style graphique a été assez critiqué. Je me ferai mon idée dessus. Il y a le mode histoire qui est assez court. Enfin voilà, il y a plusieurs choses qui ne vont pas d'après les critiques. Mais honnêtement, pour vidéo, qu'est-ce qu'on en a à faire, quoi? On tente et voilà. Un petit jeu en plus. Je pense honnêtement qu'il ne doit pas être si mauvais que ça. Ensuite, un autre jeu PS4. Donc là, j'ai profité d'une petite promo aussi Micromania. Plus un bon de réduction pour me prendre le Wonder Boy The Dragon Strap. Donc il était descendu à 20 balles et j'avais un bon de réduction de 10 balles donc ça me le fait à 10 euros quoi. C'est un jeu que je voulais prendre depuis un petit moment qui est une refonte complète de l'épisode Master System avec la petite particularité qu'on peut passer l'écran du mode rétro au mode actuel. Donc j'ai trouvé ça super intéressant. Au début il était sorti uniquement en démat, j'étais un peu emmerdé, je me dis bah. C'est le genre de jeu qui m'intéresserait quand même vachement. Et en démat, moi je suis vraiment pas pour. Et puis finalement, il y a une sortie boîte et il est bradé un petit peu partout. Je pense que ça a pas si bien marché que ça. Je pense que c'est vraiment les nostalgiques qui ont pris ça. Moi c'était pour découvrir parce que la Master System, j'ai pas vraiment connu. Je connais le jeu de nom, mais j'ai jamais vraiment joué. Donc voilà. Je suis quand même très content d'avoir trouvé du bol, c'est vraiment pas cher quoi. Pour un petit jeu comme ça. Donc, très content.
Et le dernier jeu, un jeu que j'ai acheté Day One, comme beaucoup, je vais vous donner un petit avis dessus. Donc c'est le Red Dead Redemption 2, que j'ai acheté à Auchan à 46,52€, un truc comme ça. C'était le meilleur prix qu'il y avait, très très bon prix. Il est monté directement 3 jours après à plus de 55€, donc 6€ de moins pour l'avoir Day One, c'était vraiment top. Donc les Red Dead, moi j'ai joué au premier avec John Marston. Là, c'est un peu un préquel. On va retrouver John Marston dans certaines missions, donc ça c'est plutôt sympa pour le petit clin d'œil. Vous pouvez jouer à celui-là sans problème, même si vous n'avez pas fait le premier, il n'y a aucun souci, comme c'est un préquel. Si je peux vous donner un avis général, bon déjà, c'est le premier jeu PS4 avec deux CD, dont un CD uniquement pour l'installation, fait 110 Go, un truc comme ça avec les mises à jour. Enfin, un truc de fou, mais c'est mérité. C'est très très joli, c'est très vaste. Le mode online n'est pas encore sorti, mais il devrait arriver d'ici quelques mois, d'après ce qu'ils disent. Mais bon, on a largement de quoi attendre avec le contenu gargantuesque qu'il y a là-dedans. C'est un truc de fou. Beaucoup de gens le trouvent excellent, beaucoup de gens le critiquent aussi en disant qu'il est lourd, qu'on se fait chier, tout ça. Je suis pas d'accord, évidemment. Moi, je le trouve très intéressant. Le gameplay lourd, ça me pose pas vraiment problème. Le cheval aussi, il a été assez critiqué pour certains bugs. Il y en a quelques-uns, mais ça va encore. C'est plus rigolo que gênant, on va dire. Donc voilà, moi j'ai opté juste pour cette édition standard, voilà, classique. Il y a une carte. Certains se demandaient s'il y avait une carte dans l'édition normale. Il y a une carte qui est différente de l'édition Micromania. Je crois qu'elle est un peu différente. Donc voilà, avec le disque juste de d'installation et un autre disque qui est dans la console. Donc j'ai joué une quinzaine d'heures, on va dire, pour l'instant. Ce qui est marrant dans le jeu, c'est que d'habitude je me focalise un petit peu sur la quête principale, et là je fais vraiment tout et n'importe quoi. Je vois un crocodile, je vais aller chasser. Je vois une biche, je la chasse. Je pêche, je fais des jeux du couteau, je fais du poker, et je m'éloigne assez vite justement de la quête principale, qui est très très bonne, hein. Mais on est vite attiré par des petites activités annexes qui d'habitude me font pas plus. Enfin, ça m'intéresse pas plus que ça. Et là, bah, je sais pas, je suis vraiment attiré. C'est vraiment assez intéressant. Carte, la carte, elle est immense, c'est incroyable. Le terrain de jeu qu'il y a, c'est un truc de fou. Vraiment, vivement le online pour voir un peu comment qu'ils ont adapté ça. S'ils ont fait aussi bien, voire mieux que du GTA V, bah ça va être énorme, ça va être tout simplement énorme. Et là, donc je vous dis, je suis une 10-15 d'heures, et moi je m'ennuie pas, je trouve ça très intéressant et très très bien foutu, et graphiquement vraiment magnifique. Donc je vous le conseille pour ceux encore qui hésitent, allez-y, Red Dead Redemption 2, il n'y a vraiment aucun problème, c'est une valeur sûre. Donc voilà, ce qui conclut cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, je vous dis à la prochaine, allez salut!